Paritzplatz. Il y a la porte de Brandebourg et tout un tas de trucs historiques à visiter, donc je vais aller faire ça. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, je me suis levée. Déjà, c'est bien. Après, j'ai été faire des courses parce que juste à côté, il y a un Lidl, donc j'allais dire hashtag crevard, j'ai fait toutes mes courses là-bas. Donc j'ai pris des smoothies, du pain, des noix de cajou, des trucs pour manger sur le pouce, hein, je dirais. Et donc voilà, et ce matin il pleuvait des cordes de ouf, je me suis dit non, j'ai pas de parapluie, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, donc j'ai été acheter un parapluie sur la route. Et là, bah, je suis sur la place et je vais aller me balader un petit peu. Naja. Naja, baby. Hey, Naja. Oh gars, hey. On fasse pas coucou. Biafra boubou. Mama Afrika, ich steh gerade dafür wie Shaka Zulu. Ich mach mein Ding, wenn ich rappe, die Hustler gut zu. Frag mich krass, was tust du? Ist das da Voodoo? Ich sag ihnen, das sind die Wurzeln, koch nur mit viel Aroma. Leben in der Diaspora. La vida loca. Sowieso, krank Polio. Reite Beats, einer dann Rodeo. Ojojo, dicker, kein Oreo. Ibo, Mann, in Schlanze, Libo, Land, Oibo. Hör mich in Ganja rauch. Glaube, sie seh mich nicht. Glaubst du an Santa Claus? Ich glaub an ein Gegengift. Die Seele trist, mach was gut für die. Là, je suis au Starbucks, je me suis arrêtée parce que j'avais envie de faire pipi. Je me suis aussi arrêtée pour voir ce que j'allais faire cet après-midi. Et j'en suis honte et je suis tombée sur Stella. Salut. Qui est donc allemande et qui m'a appris plein de trucs. Do you want to say something? Hello, I'm not familiar with the project exactly, but I just met Gaël and she's super nice and I am trying to give her some tips for nice food and areas in Berlin and get her out of Mitte, which is where we are now, into the nice place. And she said it was like the worst area to be, so. Hop sur toi, voilà. Et donc tu t'appelles Helmut. Helmut. Helmut pour Helmut, ce voyage. Helmut. Helmut. Et tu t'appelles Friedrich. Friedrich. Pas Friedrich. 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 Français. Français. Friedrich. Madame. Et nous avons acheté des couverts. Nous avons acheté. Et nous avons appris un mot. Comment on dit capote en anglais? Gefolsechte. Gefolsechte. Attention car il faut sortir couvert. Capote. Ouais, moi aujourd'hui j'ai sorti la petite capote. La petite capote. La petite casquette. J'ai sorti la casquette Slay parce que je suis une meuf qui Slay. Donc autant nous avons donc Helmut et Friedrich. Et moi je serai Billy. Billy de Brooklyn parce que j'ai décidé d'être une originale. Donc je suis franco-américaine, j'ai grandi à Brooklyn. Mais je suis arrivée en France il y a 10 ans, d'où un accent totalement parfait. Voilà. Et donc maintenant on va bouffer. Des plans en mousse, non, beer. Plan mousse. Vas-y. C'est une couleur intéressante. Plan au mousse. Oh. Mmh. Nous avons des smoothies. Et voilà quoi, un festin de roi, je dirais. On a bouffé pour 4 jours. Hein. On a des protéines, on a du smoothie, on a de la fonte, on a des avocats, du houmous, des couverts, on a de la menthe, c'est sûr. Non mais c'est vrai qu'à Paris-Clair, dans l'histoire, il n'y a aucun Allemand qui a été connu, hein, on ne peut plus personne.
Vas-y. T'as peur, hein? Probablement, il va se rien se passer. Hein. Quel courage! Allô? Hier matin, j'ai mon pote Valentin qui est arrivé. C'était super cool. On a rencontré aussi dans la salle commune de l'auberge jeunesse un jeune homme chanteur d'opéra, Étienne, qui passe aussi le week-end ici. Donc on a décidé tous les trois d'eux d'aller faire un petit déj et de passer la journée ensemble. On a été voir des friperies dans Berlin-Est. Donc on a vu le mur de Berlin. Certains ont pris des glaces. On a rigolé, on a fait des photos et on a fait des friperies. Donc l'idée, c'était de se trouver chacun un personnage avec un prénom pour passer le week-end, ou en tout cas pour faire la fête hier soir. On a totalement échoué. On a les prénoms, mais on n'a pas trouvé de tenue parce qu'on n'était pas parti pour dépenser 500 euros pour trouver une tenue rigolote. Donc voilà. Et ensuite, on est parti faire la fête dans un endroit qu'on appellera Hanoï parce que ça faisait beaucoup penser à au Vietnam, voilà. Sachant que j'ai jamais été au Vietnam, mais un jour peut-être, Inch'Allah. Et voilà, et on a fait la fête jusqu'à, je sais pas, 2h du matin, un truc comme ça. Puis après, on est rentré parce que certains d'entre nous étaient crevés. Et là, il est 11h30, je viens à peine de me réveiller. Et je vais aller me doucher, Valentin va arriver, parce qu'il a pas pu dormir à l'auberge de jeunesse, parce que ce gros gland, oui, je te traite de gland, Valentin. N'avait pas réservé sa chambre et c'est tout pris. Donc là, il est parti chez un pote dormir là-bas. Il va revenir. On va sûrement aller faire d'autres friperies et aller se balader voilà, le long de la Spree. Je sais pas comment on prononce. Et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure, les enfants. Hashtag racisme. Alors. Quelle heure il est là d'ailleurs? Il est au moins 17h, non? Enfin, je crois que j'ai ma montre. Il est 17h. Il est donc 17h. Il est 17h. Là, il est 17h et on est à Frankfurter Tour. On est passé avec mon pote Valentino. On est allé à Umana, qui est une ligne de friperie. En fait, et là, c'est le plus grand de tous les magasins qu'on peut trouver à Berlin. Et voilà. Et évidemment, ben, j'en ai eu pour. Pourquoi 33 euros voilà, de fringues dont je n'avais pas besoin, mais que j'ai kiffé, voilà. Et puis là, on se pose un petit peu sur la BR, frère, parce qu'on a besoin de se détendre, de la fiesta qu'on a fait hier, de reprendre. On va manger du pain, du houmous et des smoothies. Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Yeah. Donc, ma mission, ça va être de faire rentrer tous mes trucs dans ma valise. Et puis voilà quoi, sachant que j'ai été dans des friperies et que j'ai acheté des fringues dont j'avais pas besoin. Victime de la mode, tel est mon nom de code. Donc voilà, par exemple, donc ça c'est ce que je vais porter aujourd'hui. Et tout ça doit aller dans ma valise. On est sur quelqu'un de confiant, voilà, sur quelqu'un qui a de l'espoir.